voyons le texte. Mais tu te... Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Frédéric Marr, le vice-président de la FFPS Carnassier. Et je suis également l'organisateur du National Bass et des compétitions Pro Elite et Challenger qui se déroulent depuis des années à Pendagenêt en partenariat avec la mairie de Pende, la PPMA de Villeneuve-sur-Lot qui fait un super boulot, ainsi qu'avec la Fédération de pêche de loisirs du Lot-et-Garonne. Donc nous avons organisé cette compétition sur deux jours, le week-end du 20 et 21 juillet 2019. Et on a eu la chance d'avoir des compétiteurs de toute la France qui sont venus découvrir. Pour certains, d'autres sont un peu plus habitués. Le Lot, magnifique rivière. Donc là, je suis en présence de monsieur Christophe Gilles et de monsieur Stéphane Orfila, les vainqueurs du National Bass 2019. Bonjour, ben on se présente. Donc moi, c'est Stéphane, le coéquipier de Christophe. On est du club de la team Carnatrente, on vient du Gard. Et très, très ravi de venir à Pendagenêt. Une compétition qu'on s'est mis à découvrir il y a 4 ans de cela, où le premier jour, Christophe avait fait un poisson et moi, le lendemain, un poisson. Et on s'était juré de venir refaire cette compétition parce que le cadre est super beau et une très belle organisation et beaucoup de black bass. Et une très bonne mentalité au niveau des compétiteurs, de l'organisation. Et donc, on va simplement vous dire un peu la technique qu'on a réalisée dans le week-end. Donc ce week-end, moi j'étais à l'arrière du bateau, plutôt à gratter les devants d'arbres morts ou les devants de cover. Et Christophe, lui, il était à l'avant du bateau. Et plus. Il envoyait les leurres au fond, vraiment au fond du découvert. Et c'est comme ça qu'on a fait la plupart de nos bases. Donc, voilà, hier, les poissons, la moitié des poissons se faisaient au fond des couverts et devant. Et aujourd'hui, par contre, tout était au fond des couverts. On a 10 poissons aujourd'hui, hier 7, c'est vraiment un potentiel de black bass énorme ici dans cette rivière. Donc très très fier de marquer notre nom au National Bass de Pendagenêt. On a fait un peu de lavandage le samedi matin, quelques poissons, quelques jolis poissons décrochés. Puis doucement, tout est rentré dans l'ordre, petit à petit. Un poisson par-ci, un poisson par-là nous a permis le samedi de faire 7 poissons maillés. Donc un joli 40, combien tu fais ? Christophe, il fait un 45,7 même. Donc un joli poisson, on casse sur un très beau aussi. Et aujourd'hui, ben, tout s'est enchaîné pareil, de la même façon, petit à petit, toute la journée par contre. Pas de gros poissons, mais on a fait ouais, aujourd'hui 10 poissons. Les leurres, c'est les guerriers à ma moto, ils déchargent. C'est un leurre assez loin parce que c'est skip, il est très lourd, c'est skip très loin. Il se skip très loin le leurre parce qu'il est lourd, la densité au sel, il est lourd. Et je pense que c'est ça qui nous a fait réussir aujourd'hui. Même si on n'avait pas brillé, c'est une compétition qu'on aime. On est super bien reçu au camping, le sablon. C'est au top. Vraiment un moment de partage du vendredi soir malheureusement à ce soir, puisqu'on doit tous rentrer chez soi et reprendre le boulot pour demain matin. Donc merci aux organisateurs. Poisson chez. Fais maille. Fais maille. Viens, avance-toi l'épuisette. Avance-toi l'épuisette. Ouais. Ouais, ça maille. Chérie, ouais. Ça maille bien.
Superbe. Ok. Here I am, in love with you. It's the only thing